les chats de la communauté, nous sommes les chats de la communauté des chats. La fête du rat, on adore chat. La fête du chat, on adore rat. Où sont les rats, où sont les rats, les rats sucrés, les rats salés. Où sont les rats, où sont les rats, les esquisses et les mentolés. La fête du rat, on adore chat. La fête du chat, on adore rat. You win, stop again. Alors, que pensez-vous de la fête du rat? J'adore. Je connais depuis que je suis petite. Je suis née en même temps que la fête du rat a été créée. Enfin voilà, la même année. Et j'adore, j'y vais chaque année, c'est trop bien. Bonjour, alors quelle est l'atmosphère que dégage la fête du rat? Alors franchement, l'atmosphère, c'est une atmosphère chaleureuse. C'est convivial, les gens sont ensemble, ils se connaissent pas, ils s'invitent aux tables, ils se disent bonjour, ils disent tiens, je t'offre un verre, tiens, viens manger avec moi. C'est convivial, c'est le partage de tout un village. On sent l'harmonie du village qui vibre au sein de nous-mêmes. Et qu'est-ce que vous pensez des spectacles? Le spectacle d'improvisation tout à l'heure, il y a une minute, demi-heure, trois quarts d'heure, c'était génial. On a bien rigolé, les acteurs étaient magnifiques. Là, on écoute une musique typique du nord de la Suède, au sud du Bangladesh. C'est très bien. Bon ben, merci. Je vous en prie, merci à vous. À vous les studios. Merci à rattraper Article numéro 2.
Alors, à la fête du rat, je participe à la fois au niveau du spectacle et à la fois en tant que spectatrice, puisqu'il y a énormément d'animations. Et je dois dire de très bonne qualité. Jusqu'à présent, je n'ai pas été déçue de ce que je suis allée voir. Et puis, nous avons pris plaisir avec le groupe des adultes de Murviel, travailler ensemble cette année. On s'est bien amusé. Et puis, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes le jour de la fête du rat. Voilà. Merci. Nous aimerions savoir comment vous connaissez la fête du rat. En fait, moi, je venais il y a, je sais pas, il y a genre 8 ans de ça avec ma mère. Et depuis, j'ai grandi avec. Et ça fait genre, ouais, ça fait 8 ans que je viens. C'est ma mère qui m'a amené là la première fois, en fait. C'est l'ambiance. Et j'aime bien aussi le théâtre là-bas. Ça me fait rire. Après, il y a le concert, tout ça. Et puis voilà, ouais, c'est cool. Cette nuit, nous partirons avec les sables. Toi, Akira, tu n'as pas reçu l'enseignement. Mais tu es maître. Il te faut juste y voir clair. Et tu n'as fait plus du dommage. Nous avons une petite soucis. Mais vous savez combattre ? Oui, c'est notre seule survie. Je relu l'une d'entre elles, nommée Chloé la Belle, a eu sa préférence. Chloé fut lui persuadée qu'il avait de la chance. Il accepta, et comblé de joie, ils se marièrent. Mais en lui touchant les abats, elle réalisa qu'une action financière. Car il avait partagé son droit de petit secret. Il avait accepté le régime de la communauté. Il lui prêta son laguiole pour se nettoyer la fiole. Elle lui passa les pieds, ouais, comme le font les Thaïlandais. Il lui proposa de la gueule. Elle lui dit non, madame gueule. Elle lui fit fumer un joint. Et il se sentit serein. Ouh. Il avait enfin trouvé quelqu'un à aimer. Il avait plus de soucis finaux. Mais elle avait tant drôle de petits secrets là. Ouais, elle avait une sœur nommée Chloé. Hein? La petite sœur nommée Chloé. À l'époque, j'étais petit, quoi. J'étais
grand comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est ah ouais, c'est là. Tiens, j'étais entouré de petits rats comme ça. Je me suis dit, oh, c'est sympa quoi. Ah, je fais des câlins comme ça. Si on a été boire une bière, deux bières, et on est devenus copains. J'étais à 2 euros. Et je me suis dit, bah, si on continue, là, ça va la fête du rat. Et voilà, depuis 18 ans, c'est comme ça quoi. Et vous pouvez regarder autour de vous. Des rats, il y en a partout. Et bizarrement, une fois que la fête du rat est partie, les rats disparaissent. Je ne sais pas pourquoi. Les rats envahissent leur gamme une fois par an. Vous savez où est-ce qu'ils trouvent? C'est un mystère. Vous savez pas où est-ce qu'ils trouvent? Ah, paraît-il qu'ils retournent dans la terre. Vous êtes sûr que ce sont vos amis? Ils viennent exprès pour la fête du rat. C'est magnifique. Quelle belle démonstration de l'amitié entre hommes et entre humains et animaux. Mais ça me coûte quand même 10 kilos de fromage. Parce que vous les payez. Oui, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Donc les rats. Ni les rats avec. Qu'est-ce qu'il aime pas, le rat? Allô? Ça sera tout, merci. Voilà, c'est des amis. On travaillait l'année dernière avec notre groupe, avec les ateliers aussi, de conscientisement de musique. Donc, cette amitié, on a renouvelé l'expérience avec un autre groupe. Donc, j'ai amené un peu le forat d'Aki. C'est la musique traditionnelle des paysans, des gens d'intérieur, du nord du Brésil, du nord-est du Brésil. Merci, à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Over.
make it, make it, do it, makes us. Harder, better, faster, stronger. Sortez de la caméra, nos anciens. Allez, venez boire un coup.